Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de notre magazine spécial hebdomadaire VOA, puis consacré à la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous pouvez nous suivre sur nos télévisions partenaires et sur nos plateformes sociales, dont Facebook, où nous passons présentement en direct tout au long de ce voyage. Et à travers cette compétition, nous allons vous proposer des interviews avec des spécialistes, des reportages sur les équipes en général, celles africaines en particulier, ainsi que des rubriques à vous couper le souffle. Tout de suite, les titres de ce premier acte. Le Qatar sous les feux des projecteurs et des critiques. Ce mondial 2022, le premier dans un pays arabe, est au cœur de controverses liées aux droits humains et à l'environnement, sans oublier les accusations de corruption. Quelles sont les chances des nations africaines qui défendront les couleurs du continent? Nous en parlons dans ce magazine. Et puisque nous sommes à Washington, aux États-Unis, nous allons faire un clin d'œil à Team USA, l'équipe américaine. Nous y sommes, ou presque, c'est ce dimanche 20 novembre que débute cette 22e édition de la fête du ballon rond. La succession de la France, vainqueur en 2018 en Russie, s'ouvre avec le match entre le pays hôte, le Qatar et l'Équateur. 32 équipes sont en liste, dont 5 qui portent les espoirs du continent africain. Il s'agit du Cameroun, du Ghana, de la Tunisie, du Maroc et bien entendu du champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Ce mondial Qatar 2022, le premier dans un pays arabe, fait suffisamment parler de lui hors des pelouses. Regardez. Stade ultramoderne sorti des sables, foule immense aux portes du désert. La Coupe du Monde de la démesure, selon certains, débute ce dimanche au Qatar après 12 ans de préparatifs et de polémiques sans précédent. Le coup d'envoi du match d'ouverture Qatar-Équateur marquera le début d'un mois effréné de football dans le petit émirat qui espère que son mondial ne s'ensablera pas dans les controverses extrasportives. C'est aussi le souhait de l'instance fêtière du football. Le sport unit le monde. Et parce que le football unit le monde, la Coupe du Monde est l'occasion de rassembler les gens dans la paix et de profiter de quelque chose de profondément nécessaire en ces temps turbulents que nous vivons. Ce mondial à Qatari fait l'objet d'accusations de corruption, non-respect des droits des travailleurs migrants, discrimination à l'égard des femmes et des personnes LGBTQ et de problèmes environnementaux. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani, fustige ce qu'il appelle une campagne de calomnie contre son pays. C'est dans ce contexte que s'ouvre la succession de la France. 32 équipes sont en lice, dont 5 pays qui portent les espoirs du continent africain. Le Cameroun, le Ghana, la Tunisie, le Maroc et le champion d'Afrique en titre, le Sénégal diminué par le forfait de sa vedette, Sadio Mané. L'Afrique vise une première demi-finale historique en Coupe du Monde. Pour cela, il faudra batailler dur face à des favoris comme la France du Ballon d'Or Karim Benzema, le Brésil de Neymar, l'Argentine de Lionel Messi ou encore le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le décor planté pour décrypter tout cela, je ne suis pas seul dans ce studio avec moi, notre collègue Eric Manirakiza. Salut Eric. Bonsoir cher confrère, content d'être avec toi ce soir. Très heureux également. Alors avec vous, il sera question d'une rubrique qui va varier mais que nous allons appeler le débrief. Tout à fait, il sera question d'explication, de présentation d'équipe et autres enjeux et faits de jeu durant son mondial. Voilà, j'ai bien évidemment hâte de voir tout cela. Et puis, vous l'entendez souvent dans nos journaux radio et télé. Elle, c'est Nanit Talani. Je l'appelle affectueusement Talani. Elle sera avec nous tout au long du tournoi. Nous la retrouvons confortablement installée dans le fauteuil. Salut Nanit. Salut Yacouba, salut à tous. Je vous réserve pas mal de surprises. Mais pour vous mettre l'eau à la bouche, il y aura une chronique appelée « Fou ou folle de foot » où vous découvrirez de super passionnés de ballon rond. Voilà, on a également avec nous des consultants de football ou encore des journalistes sportifs depuis Casablanca au Maroc sur Skype. Mon cher ami Amine El Amri, journaliste sportif tout terrain. Amine, c'est un plaisir de vous retrouver avant, je le rappelle, que vous envolez pour le Qatar. Bonjour à tous, moi c'est Bruno Awoyo. Tout à fait. Écoutez, juste un petit décalage. Eh bien, on va retrouver Amine tout à l'heure. Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est bien Bruno Awoyo, bien sûr, qui est avec nous. Il est journaliste sportif béninois. Il est avec nous depuis Paris, en France. Alors, rebonsoir, Bruno. Bien d'être là. Merci, Bruno. Depuis Casablanca, au Maroc, je le disais, donc, on a Amine El Amri, journaliste sportif tout-terrain. Alors, Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur VOA. Merci à tous de votre présence. Alors Bruno, je commence par vous. Le football est en principe apolitique, mais cette Coupe du Monde Qatar 2022 est celle de tous les problèmes humains et environnementaux, entre autres. Pourquoi tant de griefs contre le Qatar? Je pense que la candidature et le succès de la candidature qatarie a été très mal vu dans le monde du football. On s'en suivit évidemment beaucoup d'affaires au sein de la FIFA. Mais moi, je pense que le Qatar a fait l'effort pour cette édition de la Coupe du Monde. Ils ont accueilli beaucoup de monde en très peu d'heures et les gens affluent par les avions. Et puis ils ont fait des efforts. Voilà, au niveau de, ce sera la première Coupe du Monde, il n'y aura pas dans un pays pour un tournoi des vols intranationaux. Donc à l'intérieur du pays. Et puis il y a ces stades, en fait, on parle de stades climatisés, mais en fait, ce ne sera pas si polluant que ça. Donc je trouve que le Qatar fait les efforts au niveau humain et au niveau en ce qui concerne l'organisation d'une Coupe du Monde. Ça va être une belle fête en été là-bas pour eux, dans un temps tempéré, et en hiver dans l'hémisphère nord. Alors Amine, je me tourne vers vous. Demain dimanche, on y sera. Alors est-ce qu'on pourra enfin parler de ballon rond sur le rectangle vert et vivre simplement de foot durant ces jours de compétition? Je l'espère, parce que nous autres passionnés de foot, nous ne vivons que pour le ballon rond et il me tarde que ce mondial commence enfin après la polémique a débuté déjà en 2010, donc cela fait 12 ans que ce mondial-là est attendu, parfois avec un petit peu de mauvaise foi, on peut le dire aussi, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont être revues et vues à la loupe, surtout que le Qatar, par sa géographie, par sa démographie, par sa géopolitique aussi, est très, très intéressant comme pays, et donc on verra comment ça se passe, mais j'espère que ce sera le foot le premier mot d'ordre. Voilà, qui est dit. Alors, Eric, sans plus tarder, on revoit avec vous les groupes dans lesquels sont logés les 5 représentants africains, mais aussi Team USA, j'y arrive, l'équipe américaine. Alors, le Sénégal est aligné dans le groupe A et jouera contre le Qatar, pays hôte, l'Équateur et les Pays-Bas. La Tunisie se trouve dans le groupe D et fera face à la France, à l'Australie et au Danemark. Le Maroc est logé dans le groupe F. On y retrouve également la Belgique, le Canada et la Croatie. Le Cameroun est dans le groupe G et devra affronter le Brésil, la Serbie et la Suisse. Le Ghana hérite du groupe H aux côtés du Portugal, de l'Uruguay et de la Corée du Sud. Enfin, le groupe B, composé des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Iran et du pays de Galles. Voilà, Yacouba, l'affiche des groupes des pays africains et des États-Unis dans ce mondial. Voilà, et donc des groupes relativement homogènes, on va dire. Alors, Bruno, quelle impression d'ensemble avez-vous sur ces différentes poules des pays africains, relevées ou abordables? Ça dépend, on prend cas par cas. La poule du Sénégal, pour moi, le Sénégal était la deuxième équipe du groupe. Et puis malheureusement, il y a eu ce forfait stupéfiant, tonitruant, absolument déprimant de Sadio Mané. Je pense que le Sénégal, il faudra être très bon dès le premier match contre les Pays-Bas. Ensuite, pour ce qui concerne les autres équipes, la Tunisie est dans le groupe de la France et du Danemark et de l'Australie, ça va être très compliqué. En ce qui concerne le Cameroun, bon, on sait que c'est une équipe, voilà, il suffit d'avoir vu le barrage qualificatif face à l'Algérie. Ils sont capables de perdre 1-0 à domicile et de déjouer. Et ensuite, d'aller au bout du bout du bout du bout avec ce but de Carlo Toko Ekambi. Le buteur de l'Olympique Lyonnais d'aller se qualifier en Algérie, à Alger. Donc ça dépend. L'équipe du Ghana, voilà, ils connaissent le Portugal, ils connaissent la Corée du Sud. Ce sont des équipes qu'ils connaissent. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Et puis le Maroc, il y aura un superbe derby avec la Belgique, où il y a une énorme communauté marocaine. Et je pense que les Marocains, les Lions de la Tasse, ils sont très 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 motivés et ils ont vraiment envie de réussir un gros match contre les Belges. Ils commenceront évidemment par le match contre la Croatie, mais les Marocains, avec aussi un autre petit derby avec le Canada où il y a une grosse diaspora marocaine aussi, ça va être un groupe sympa et je pense que le Maroc peut être la surprise du groupe de la Belgique. Voilà, une vue d'ensemble donc sur tous ces groupes-là. Alors Amine, les Américains retrouvent le mondial après avoir manqué l'édition de 2018. Team USA peut-elle se tirer d'affaire dans ce groupe B?
Oui, je pense que l'équipe des USA est en pleine reconstruction. Je pense que l'objectif principal n'est pas cette Coupe du Monde-là, mais celle de 2026 qui va être accueillie par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il y a un groupe jeune conduit par un entraîneur qui est aussi jeune, qui est Greg Berhalter. Mais il y a énormément de talents dans cette équipe. Je pense à McKinney, à Serginho Dest, bien sûr au capitaine Pulisic. Mais il y a énormément de talents et je pense que cette équipe ne pouvait pas rêver mieux d'un meilleur rodage que cette Coupe du Monde-là, dans ce groupe-là, avec l'Angleterre, le Pays de Galles, bien sûr, qui sont de très très bonnes équipes. Et puis Bruno l'abordait brièvement dans son intervention. La nouvelle est tombée depuis jeudi. Sadio Mané est finalement forfait pour le Mondial 2022. Blessé au genou, la star des Lions de la Teranga était malgré tout sur la liste du coach Aliou Cissé. Le Maroc aussi a enregistré pas mal de forfaits pour blessures, dont Amine Harits, qui figurait aussi sur la liste du sélectionneur Walid Regragui. Idem pour la France avec N'Golo Kanté, Paul Pogba, Christopher Nkunku, Presnel Kipembe. Alors, que se passe-t-il si un joueur sélectionné se blesse ou tombe malade avant la compétition? Alors, Nanit, vous avez des éléments de réponse pour nous? Alors, Yacouba, comme nous le savons, la programmation inhabituelle du tournoi en pleine saison des clubs et après 2 ans de pandémie rend la question plus brûlante encore que lors des derniers mondiaux. Nous allons prendre le cas concret du Mondial Qatari. La liste officielle de chaque sélection, entre 23 et 26 joueurs, devait être soumise à la FIFA le 14 novembre. Mais, selon le règlement de l'instance, un joueur de la liste finale peut encore être remplacé au plus tard 24 heures avant le coup d'envoi du premier match de son équipe. La commission médicale, bien sûr, de la FIFA doit néanmoins confirmer que la blessure ou la maladie est suffisamment grave pour empêcher le joueur de participer au tournoi. Et donc, de façon pratique, pour le cas de Sadio Mané, le Sénégal jouant son premier match le lundi 21 novembre à 16h temps universel, le coach Aliou Cissé a jusqu'à demain dimanche à 15h pour envoyer le nom de son remplaçant à la FIFA s'il souhaite le faire. Mais le sélectionneur sénégalais a décidé de ne pas remplacer Sadio Mané. Voilà, qui est clair, merci Nanit. Alors Bruno, comment appréhendez-vous cette équipe du Sénégal sans Sadio Mané? Alors en fait, il y a plusieurs options. Soit le Sénégal aligne Bamba Dieng, qui malheureusement n'a pas eu sa chance à l'Olympique de Marseille. On ne sait pas pourquoi, mais il n'a pas beaucoup joué cette saison. Il avait été très bon à la CAN quand il avait dû remplacer Sadio Mané, justement. Un superbe derby contre le Cap Vert en 8e de finale de la CAN au Cameroun. Après, il y a aussi Ismaïla Sarr, le joueur de Watford, aussi un joueur tonitruant. Mais Sadio Mané, c'était vraiment l'inspirateur de jeu de l'équipe du Sénégal. Il prenait le ballon au milieu de terrain, il s'avançait, il entrait dans l'axe, offrait des solutions par son travail aussi de fixation dos au but, de pouvoir partir sur le côté, centrer du pied gauche ou même distribuer le jeu. Donc c'est un énorme affront, huge blow comme on dit en anglais, et c'est absolument triste pour le football africain en cette date du 8 novembre et cette blessure au péroné droit face au Werder Bremen avec le Bayern. 8 novembre 2022 restera une date noire dans l'histoire du football africain. C'est absolument triste. On va simplement souhaiter un prompt rétablissement à Sadio Mané et bonne chance à l'équipe sénégalaise. Alors Amine, le Maroc a aussi connu pas mal de forfaits pour blessures. Comment se portent les Lions de l'Atlas après tant d'épreuves? Oui, je pense que les forfaits n'étaient pas justement que Amine Harit. Il y a aussi des joueurs comme Adam Massina, comme Imran Loza, qui se sont blessés en tout début de saison ou juste à quelques semaines avant le Mondial. Donc, cette équipe est pas mal remaniée, mais ce qui me concerne un peu plus, c'est que les joueurs manquent aussi un peu de fraîcheur physique. Plusieurs n'ont pas été des titulaires en force dans leur club. Je pense notamment au leader technique de cette équipe qui est Hakim Ziyech, mais je pense aussi, par exemple, à Naïef Aguer, le défenseur central de West Ham, qui avait une blessure musculaire et qui a repris la compétition 3 semaines avant le Mondial, juste. Donc, je pense que le grand défi pour les Lions de l'Atlas sera justement face à des équipes comme la Croatie et la Belgique qui tiennent beaucoup le ballon, qui adorent la possession de ballon, où il faut courir vraiment et être solidaire. Je pense que le défi sera d'être à la hauteur physiquement à partir de mercredi. Merci Amine et merci à tous. Ne bougez pas, nous marquons une courte pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Merci de votre fidélité. Je rappelle que vous regardez ce magazine spécial de la VOA consacré à la Coupe du Monde. Avec moi ici en studio, mes collègues Eric Manirakiza et Nanit Talani. Sur Skype, nous avons Bruno Aoyo en direct de Paris et Amine El Amri, journaliste sportif en direct depuis Casablanca au Maroc. Pour cette seconde partie de l'émission, notre envoyé spécial à Dakar au Sénégal, Abdourahman Dia, nous rejoint. Bonsoir Abdou. Bonsoir Yacouba. Alors dites-nous, quelle est l'ambiance qui prévaut dans la capitale sénégalaise à deux jours seulement de l'entrée en lice des Lions de la Teranga dans ce mondial face aux Pays-Bas? Alors il faut dire que la fièvre a commencé à monter un peu au moment où j'attendais justement ici à la place de l'Indépendance. Un cortège composé de quatre véhicules est passé avec des drapeaux sénégalais. Donc ces dernières 48 heures, on a vu une effervescence qui est en train de monter, mais on me dit que ce n'est rien comparé à 2002, quand le Sénégal participait à la Coupe du Monde pour la première fois, et même 2018, il y a 4 ans. Mais il est clair que lundi, la situation sera très différente quand le Sénégal va entrer en jeu face aux Pays-Bas, qui est considéré un peu un des favoris de ce groupe. Donc pour l'instant, ça commence à monter, mais on me dit que ce n'est pas vraiment comme 2002 ou 2018. Bien évidemment, le moral un peu plombé sans doute par la blessure de Mané. Alors Abdou, ce dimanche s'ouvre la compétition entre le Qatar et l'Équateur, deux futurs adversaires du Sénégal justement dans ce groupe A. Nous imaginons que cette rencontre sera particulièrement suivie sur place. Absolument, d'autant plus que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas vraiment cette équipe qatari et également celle de l'Équateur. Maintenant, le Qatar qui joue à domicile, pays organisateur, a un gros avantage. Il est clair, donc les Sénégalais vont suivre le match de demain pour avoir une idée de ces deux équipes. On sait que le Qatar était en regroupement depuis le mois de juin et que l'équipe a disputé 18 matchs amicaux. Donc ils ont le temps de développer un fond de jeu assez intéressant. En tout cas, pour l'Équateur, même si on ne les connaît pas, ils ont la réputation d'avoir un jeu assez rigoureux. Donc ils n'ont pas vraiment de stars et ça aussi, ça peut être considéré comme un avantage. Donc, ils vont compter un peu sur leur collectif. C'est dur non seulement pour moi, mais pour tout le peuple sénégalais, pour l'Afrique même. Parce que toute l'Afrique avait envie de voir Sagno faire ses preuves dans ce mondial 2022. Parce que c'est une compétition qui est internationale et où tous les grands joueurs sont là-bas. Et Sagno devait vraiment sortir le grand jeu. Parce que nous sommes tous des Guindés, des Lions. Nous sommes tous des Lions. L'absence de Sadio peut être une source de motivation à toute l'équipe. Une source de motivation à toute l'équipe. Donc voilà, ça pourra permettre à l'équipe donc, d'aller très haut, de hausser le drapeau national, donc très haut à la Coupe du Monde. Prions pour lui afin qu'il soit en bonne santé. C'est mon joueur préféré. La Coupe du Monde arrive et quant aux autres joueurs, ils doivent faire de leur mieux. Ils doivent amener la Coupe ici pour que nous puissions nous réjouir au Sénégal. Sadio n'est pas le seul joueur. Espérons qu'avec sa blessure, les autres vont se surpasser. Il y a d'autres Sadio Mané dans l'équipe. Ça m'a fait mal, vraiment mal. Comme tout le monde, comme tout le Sénégalais. Bon, mais alhamdoulilah, on va faire avec. Parce que ça, c'est vraiment un élément important pour l'équipe et pour aller Cissé. Bon, Dieu. Voilà, Abdou, on vient de suivre justement votre micro-totoir réalisé sur place à Dakar là-bas. Dites-nous, dans l'ensemble, le moral des Sénégalais en l'absence de Mané, est-ce qu'ils sont résolument tournés vers cette équipe sans Mané? Absolument, c'est vrai qu'il y avait la stupéfaction d'abord et maintenant, un peu, ils sont résignés. Et je pense que ce que tout le monde dit, et vous l'avez entendu, ils comptent vraiment sur le collectif également pour non seulement faire plaisir au Sénégal, mais également représenter Sadio Mané, ne pas l'oublier en fait au Qatar. D'ailleurs, selon les médias sénégalais, Aliou Cissé a décidé de le maintenir dans cette liste, donc de ne pas le remplacer. Merci voilà. Beaucoup Abdourahman Dia. On va vous souhaiter bonne suite sur place à Dakar. Là-bas, on vous retrouvera sans doute dans nos prochains numéros. Au revoir. Alors Amine, une équipe qui ne fait pas beaucoup bien sûr de bruit et qui pourrait peut-être surprendre, c'est à quelques peut-être millimètres près, c'est la Tunisie de Wahbi Khazri, même si les Aigles de Carthage n'ont pas encore franchi les poules en 5 éditions déjà disputées.
Je pense que l'équipe de Tunisie est dans son élément le plus naturel, c'est-à-dire une équipe qui n'est pas du tout favorite, et une équipe dont on n'entend pas beaucoup, mais qui fait beaucoup de travail, qui travaille beaucoup, qui joue enfin avec un effectif complet. Parce que vous savez, en 2018, ils étaient arrivés un peu diminués parce qu'ils avaient perdu leur leader technique, qui était Youssef Msakni, qui avait une rupture de ligament, mais qui avait perdu aussi des gardiens de but en pleine compétition. On se souvient des images de Nabil Mahloul dans des entraînements en train de jouer aux gardiens de but. Là, cette année-là, il y a un effectif vraiment, il arrive tout au complet. Je pense notamment aux défenseurs Draguer Mohamed et Dylan Brown, le milieu défensif Aïssa Laïdouni. Mais devant, il y a aussi beaucoup de talents. Hannibal Al-Majbri, Wahbi Khazri, Msakni. Tout ça, c'est un savant mélange entre une équipe qui peut être très très rigoureuse, très solidaire défensivement, qui ne va pas lâcher beaucoup d'espace à l'adversaire, mais qui pourrait très bien frapper en transition avec la rapidité que peuvent avoir des joueurs, comme on a dit, Wahbi Khazri ou Msakni. Et même, il y a même un autre avantage, c'est que cette équipe est très très intelligente dans tout ce qui est exploitation de balles arrêtées, avec un joueur à pied gauche magnifique d'Ali Mahloul, l'arrière-gauche d'Al Ahly. Donc c'est un savant mélange entre expérience et jeunesse. Et je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer, parce que c'est vrai que la France est la tenante du titre, mais elle est très diminuée par les blessures. Il y a le Danemark qui est peut-être l'équipe la plus talentueuse de ce groupe-là. Mais derrière l'Australie, il y a franchement un coup à jouer pour les Tunisiens. Merci, Amine. Alors, Bruno, des 5 pays africains, le Cameroun totalise le plus grand nombre de participations en Coupe du Monde. Qatar 2022 sera sa 8e phase finale. Mais ce Cameroun-là, dites-nous franchement, vous inspire-t-il confiance? Non, alors, ce vendredi, il y a eu ce match face au Panama, ce match nul, un but partout. Je trouve que cette équipe du Cameroun n'est absolument pas convaincante. Dans ce groupe où vous allez avoir le Brésil, la Suisse, Et la Serbie, je trouve que c'est un peu juste. Il faudra vraiment que cette équipe en 4-3-3 soit vraiment équilibrée avec Martin Onglin, hein, qui va être vraiment la plaque tournante, le joueur du LS Vérone qui va être la plaque tournante de cette équipe. Il faudra être performant dès le premier match. Donc, je pense que dès le premier match face à la Suisse, donc, il faudra vraiment être très performant. Et le Cameroun a la chance de terminer par le Brésil. Mais voilà, cette équipe ne m'a pas convaincu dans sa CAN. En janvier dernier au pays, et en plus en huitième de finale, en huitième de finale, ça croise avec le groupe du Ghana et de l'Uruguay. Si cette équipe arrive à passer le premier tour, il y a possibilité, mais c'est une équipe qui est très limitée dans le jeu, et pour ça, il faudra que les hommes forts soient performants. Karl Toko Ekambi, Olivier Ncham, Brian Bemeu, le joueur de Brentford, un milieu de terrain brillant, Vincent Aboubakar, l'ami de Mohamed Salah. Et Martin Onglin avec André Onana, bien sûr, il faudra que tous ces hommes soient performants. Merci Bruno. Alors Amine, je reviens à vous. On a aussi le Ghana qui retrouve le Portugal de Cristiano Ronaldo, la Corée du Sud, mais surtout l'Uruguay du même Luis Suarez, rappelez-vous, qui a privé l'Afrique d'une demi-finale, c'était en Afrique du Sud en 2010. Ça ne sera pas une partie quand même de plaisir, hein, pour les Black Stars. Non, mais je pense que l'intelligence des responsables du foot au Ghana a été l'électrochoc donné après la CAN, après l'échec de la CAN, où ils sont sortis du premier tour dans un groupe d'ailleurs où il y avait le Maroc et les îles Comores. Je pense que cet effet-là d'électrochoc a eu un effet bénéfique. Il y a aussi cette aventure qui a soudé le groupe, qui est en fait d'aller décrocher le billet qualificatif au Nigeria. Contre tous les pronostics, je pense que cette équipe du Ghana s'est améliorée, surtout mentalement, mais elle s'est améliorée aussi côté ressources humaines. Je pense bien évidemment aux deux vétérans, les frères Ayou, mais il y a aussi un excellent attaquant, l'excellent attaquant de l'Ajax, Mohamed Kudus. Il y a surtout la star de l'Athletic Bilbao, Iñaki Williams, qui a décidé de jouer pour le Ghana, contrairement à son frère cadet Nico qui va jouer pour l'Espagne. S'ils arrivent avec cette mentalité de « on veut être revanchard contre l'Uruguay », etc., oui, je veux bien si c'est une source de motivation, mais si on commence à focaliser un peu trop sur ça,
je pense que ça pourrait être contre-productif. Le Portugal, disons-le franchement, c'est le favori du groupe, mais le Ghana a montré de très très belles choses, notamment le dernier match amical et cette victoire contre la Suisse. Il y a un groupe vraiment soudé et peut-être que ce sera la surprise du groupe. Ce ne serait pas choquant si le Ghana passait dans ce groupe-là. Merci Amine. Alors Eric, ce mondial, hein, très rapidement, c'est aussi celui des stars vieillissantes, il faut le reconnaître, qui voudront marquer leur histoire. Vous avez tout à fait raison de le mentionner, Yacouba. On garde un œil sur Messi, Neymar, Ronaldo et Benzema notamment. Alors, un point commun à souligner, c'est l'espoir de remporter l'un des seuls trophées manquant à leur incroyable palmarès. À 37 ans, le Portugais Cristiano Ronaldo va disputer au Qatar le 5e mondial de sa carrière. Il aura l'occasion de devenir le premier joueur à inscrire au moins un but lors de 5 éditions de la plus prestigieuse des compétitions de sélection. À 30 ans, Neymar veut prendre sa revanche sur ses déconvenues en Coupe du Monde en 2014 et 2018. Il a la tâche de rompre une série de 20 ans sans décrocher la Coupe du Monde pour la Seleção. Et à 35 ans, Messi cumule les records avec l'Albi Céleste, dont il est joueur le plus capé et le meilleur buteur, 91 réalisations. Au Qatar, l'enfant de Rosario dispute sa 5e Coupe du Monde et sans doute sa dernière. Enfin, KB9, Benzema, lauréat du Ballon d'Or 2022, c'est une occasion pour lui de s'affirmer et permettre à la France de conserver son étoile. Yacouba, il y aura d'autres stars à suivre et très attendues dans cette compétition. Bien évidemment, Eric. Alors, c'est maintenant, tout de suite, l'heure de retrouver Nanit pour sa rubrique Fou ou folle de foot. À vous, Nanit. Alors, pour ce premier numéro, je vous emmène au Cameroun, où des fans respirent football. C'est le cas de Mouloum Askadra, alias Père Zidane, que notre correspondant Emmanuel Juntap a rencontré pour vous à Yaoundé. Salut, je m'appelle Mouloum Askadra. Je suis un fou de foot. Dans la vie, je suis moto-taximan de Yaoundé. Ma passion pour le football a commencé, cela se fait 32 ans aujourd'hui. Car au Gemela, jouer au football, moi j'ai parti aussi suivre comment Roger Mela en train de jouer avec la population. Quand je fréquentais, j'aimais trop le football et je jouais trop le football dans tous les établissements. Quand nous on partait, je marquais toujours les buts. Mon maître m'a donné le nom de Zidane. C'est pour cela que vous voyez, je supporte trop le football jusqu'à nos jours. Voilà, le foot, quand il nous tient, cette émission tire malheureusement vers sa fin. Avant de nous quitter, je vous propose très rapidement un calendrier des premières oppositions à venir dès demain dimanche. Vous aurez bien évidemment le match d'ouverture entre le Qatar, pays hôte, et l'Équateur. 3 matchs lundi avec l'entrée en lice du premier pays africain, le Sénégal face aux Pays-Bas. À suivre aussi, Angleterre, Iran et États-Unis, pays de Galles. C'est le tout pour ce premier numéro de cette émission spéciale consacrée à la Coupe du Monde. Ici en studio avec moi, mes collègues Eric Manirakiza et Nanit Talani, on avait deux journalistes sportifs, l'un à Paris, Bruno Aoyo, et l'autre à Casablanca, Amine El Amri. On se retrouve au samedi prochain pour le prochain numéro. Au revoir.